Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le grand jour, tant souhaité, est enfin arrivé. Indépendance, tcha-tcha. Une vertu, une droit de faire, à disposer de l'air. Et ce moment, et à jamais, notre État libre et indépendant. C'est par la lutte qu'on a été conquis. La patrie ou la mort. En Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains. Nigérienne, Nigérien. Ce jour, 15 avril 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. Après 15 ans de règne, jalonné d'injustice, de corruption, d'égoïsme et d'indifférence à l'endroit du peuple auquel elle prétendait assurer le bonheur, nous ne pouvions plus tolérer la permanence de cette oligarchie. En ma qualité de chef d'état-major général des forces armées, je décide et proclame la suspension de la Constitution, la dissolution de l'Assemblée nationale, la suppression de toutes les organisations politiques et parapolitiques. À partir de cette date du 15 avril 1974, le monde entier découvre le nouvel homme fort du Niger, le lieutenant-colonel Séni Kountché. Comme il est de la génération de Moussa Traoré, ils ont fait ensemble à Kati, ainsi que Krékou, Lamizana. Donc toutes ces générations-là avaient mis l'armée sur le pouvoir et puis il a été excité. Vous savez, en Afrique, on ne peut rien engager sans consulter soit un marabout, soit un féticheur, soit un esprit. Quel est le chef d'État africain qui n'a pas, qui n'accorde pas une certaine importance au côté mystique des choses? Nous sommes africains, quelle que soit la fonction que nous occupons, quelles que soient les études que nous avons menées, nous restons africains, c'est-à-dire profondément attaché au mystique. Et le président Kountché n'est pas différent de tous les autres chefs d'État africains. Rencontre après rencontre, le plan prend forme. Il faut fixer une date pour passer à l'action. Encore une fois, les officiers s'en remettent au marabout ou du moins à celui qui en fait office dans le groupe. Bonkano. Il choisit pour le coup une date qui correspond à son anniversaire et justifie ce choix par la volonté des esprits. Je ne pense pas que je le fais comme ça bêtement non plus. Effectivement, ça venait de certains conseils. Coup du destin ou du sort qui va conforter un peu plus cet homme lige. En France, le président Georges Pompidou décède après une longue maladie. La mort du président français a beaucoup contribué, je ne pourrais pas dire facilité, mais a beaucoup contribué parce que à ma connaissance, c'est le seul coup d'État qui était opéré sous les colonies françaises où la France n'était pas mêlée de tout et sa police n'était au courant de rien. Au lendemain du putsch, marqué donc par la mort d'Aïssa Diori, Séni Kountché remercie les députés et dissout le parti unique. La junte de 12 hommes qu'il dirige, baptisée Conseil militaire suprême, prend les rênes du pouvoir. Il se sent investi d'une mission à la tête de l'État. Il affiche d'emblée les qualités traditionnelles de l'officier. Patriotisme, nationalisme, droiture, honnêteté, dévouement et abnégation. Il montre l'exemple en continuant de vivre dans la modeste villa qu'il occupait en tant que chef d'état-major. Il était complètement indifférent au luxe. Complètement indifférent. Vous avez vu les installations, il n'utilisait même pas l'eau courante, il se lavait au seau. C'était son tempérament, il était comme ça. Le pouvoir, c'était son dada.
et il n'entend pas le partager avec quelqu'un d'autre. Il a été élevé dans la mentalité de l'absolutisme. Alors, il est venu avec ça. On faisait de la distribution gratuite de vivres aux populations nécessiteuses. Sidi Gounché conduit son pays comme on mène une armée. Avec lui, pas d'envolée lyrique, pas de rhétorique révolutionnaire. Il faut que ça tourne. Chef d'État, ministre de l'Intérieur et de la Défense, il contrôle tout et règne sur son immense pays. Pour lui, la démocratie, c'est bon pour les ventres pleins et les populations occidentales répues et éduquées. Militaire que je suis, vous direz, le militaire c'est le dictateur. Prouvez-moi le contraire, est-ce qu'on peut faire d'un véritable démocrate quelqu'un qui est mentalement sous-développé, matériellement sous-développé et qui n'arrive même pas à satisfaire ses besoins primaires. D'où notre démarche. Nous ne disons pas à d'autres de nous imiter, c'est notre conception. L'histoire dira si nous avons tort ou si nous avons raison. Le pays dont hérite Sidi Gounché est pauvre. Il est l'un des plus pauvres du monde. Un habitant sur cinq seulement est alphabétisé. Sur cette terre où l'homme est hanté par la pluie plus que partout ailleurs, il s'est fixé un objectif, le redressement de l'agriculture. Pour lui, ce qui était le plus important, c'était de réorganiser cette base, les masses populaires, pour qu'elles prennent en charge, dit-il, leur propre destin. Donc ça suppose la mise en valeur des terres, le soutien aux agriculteurs et tout ce qui touche les paysans, c'était son affaire. Tout ce qui touche les jeunes. Il va procéder à une amélioration des rendements dans le cadre des aménagements hydro-agricoles et l'assainissement des coopératives, ce qui va permettre au Niger d'acquérir l'autosuffisance alimentaire, événement unique au Sahel. Gounché était omnibulé par l'autosuffisance alimentaire. Quand on a une telle obsession, on ne peut pas aller loin. La finalité de l'aide, on l'a souvent dit, c'est de pouvoir se passer de l'aide. Et j'étais l'un de ceux à dire à la communauté internationale qu'il y a que s'il était possible, le Niger se passerait de l'aide. Le kilo de sorgho que nous amenions, qu'on amène de l'Oklahoma, ou bien le riz qu'on amène de la Camargue, ou le blé qu'on appelle peut-être des grandes étendues du Canada. Si on nous donnait le prix du transport, peut-être que nous pouvions plus produire plus de kilos et plus de tonnes. Et nous pourrons recouvrer notre dignité.